D'accord, vous voulez vous taper dessus? Moi, je veux bien récupérer la partition de piano qui est là. Non, je tiens pas spécialement à jouer. Par contre, toi, t'es qui? Je me présente Dorian Piazzolla, membre de la société de promotion du piano. J'ai pour mission d'apporter mon modeste soutien aux personnes qui interprètent talentueusement les compositions musicales de ces partitions. Ce qui veut dire, en gros, il arrive que des partitions soient laissées sur les pianos dans les différentes régions. Les obtenir permet d'interpréter certains morceaux. Décrocher un rang A lors de l'évaluation pour obtenir une récompense de la part de Dorian machin chose. Un membre de la société de promotion du piano. Un rang A! Étant donné votre intérêt pour le piano, je compte sur vous pour m'aider à répandre à travers le monde la joie et les bienfaits qu'il procure. Dites-moi Alors. donc, en quoi puis-je vous aider? Alors, je veux bien, par contre. Oh ouais, non, mais il y a des matériels à gagner. PV augmenté, PM augmenté, résistance aux altérations x1 et 3 inconnus. Parce que j'ai pas encore les. Sachant que sur le thème de Tifa, j'ai eu un C. Je suis nul au piano. On va tester. Je crains, hélas, ne pas avoir de récompense pour vous actuellement. Quoi qu'il en soit, je vous prie de continuer à vous exercer au piano. Ah d'accord, il faut que je vienne le voir une fois que je me suis exercé au piano. Vas-y, on va jouer. On va essayer de faire celle de Barrette. Mais avec les mecs qui sont en train de se taper dessus en plus derrière, c'est super. Alors, oui, ça je sais. Donc, appuyez sur eux. En mode interprétation de partition pour sélectionner un morceau et le jouer. Une note de la médiatie. Ok, ça on connaît, on connaît. Il est possible d'augmenter la difficulté d'une partition en accélérant le défilement des notes. On va peut-être éviter, non? N'abusons pas! Du coup, on en a deux qu'on peut faire qu'on n'a jamais faites. Et sur le thème de Tifa, on a eu un C. On va tester. Je vous garantis rien. Je suis nulle au piano. En plus, on a les mecs qui crient derrière, c'est parfait. Ils sont en train de se battre pendant qu'on joue au piano. Concentration. Mais c'est trop dur aussi. C'est super dur. Concentration. Raté. Concentration, concentration. Vite, beaucoup, beaucoup trop vite. Et en plus, il y a les deux. C'est bon? C'est fini? Ah, c'est un rang B! Ça va en vrai! On n'est pas sur du rang A, mais en vrai, ça va. On va tester le thème de Barrette quand même. Voilà. On les teste. Faudra s'entraîner au piano.
Ça commence quand? Ça va super vite! Je suis super concentré. Je crois que ça rend un peu bizarre quand même ma musique, non? Toc toc toc. Qui est là? Bonjour! Qui c'est qui est là? C'est fini? Je crois que c'était pas terrible. Coucou Des, comment ça va? C'est pas fini! T'es fini? Là, je crois que j'ai encore une note. Un B! Un B quand même, ça va. Ça va. Ah, en vrai, je me suis plutôt bien défendue. Sauf qu'il me faut un A. Comment je quitte? Arrête de jouer. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Arrête ton carnage. Arrête ton carnage. Bon bah monsieur, c'est pas tout de suite que vous me donnerez des récompenses. Hein. Qui est... Pourquoi on peut te parler toi, salut? Qu'est-ce que tu veux toi? Ma parole, tu sais pas qui t'as à faire, on dirait. Tu veux te battre? Tu veux te battre? Et ouais mec, je suis le célèbre Bif, alias le Marginal. Alors, t'as les stands, hein? Non. Oh. T'as l'air d'en avoir dans le pantalon, toi, finalement. Tu veux te battre? Ok mec, puisque tu le prends comme ça, on va voir qui est le plus fort aux cartes. Mais viens pas chialer après. Oh non. Si je gagne, tu me devras 3, non, 7 kills. Et pas dans ton loop, hein, figé. 7 kills? En fait, c'est juste pour faire une partie, lui. En cas de défaite, cette guilde. Bah, qu'est-ce qu'il y a? On a la pétoche? Non, t'inquiète, je reviendrai te taper aux cartes plus tard, mais là... Bah, je pensais qu'il voulait se taper pour de vrai. Pas aux cartes, moi. Il y a des quêtes ici. Bonjour. Il y en a une, en fait. Un patient d'un manteau noir de ma clinique a été enlevé. Oh! Eh, on kidnappe les manteaux noirs, maintenant? Oups. J'étais pas censé passer par là, je crois. De gros profits. Ok, on va aller voir la clinique. Non, mais du kidnapping de monsieur au manteau noir? Vous avez pas honte? C'est honteux. T'aurais pu me le dire avant que t'avais un problème de kidnapping. Hein. Alors, vous êtes encore là? Ouais, t'as un problème de kidnapping. Il m'est arrivé un petit pépin. Tiens, regarde cette lettre. Nous avons un de vos hommes en manteau noir. Si vous voulez le revoir vivant, ça vous coûtera 10 000 guilds. Nous vous communiquerons les détails de l'échange en temps et en heure. Un enlèvement? Ouais. Ils ont dû s'imaginer que mes recherches sur ces pauvres âmes étaient une activité lucrative. Qu'est-ce que vous comptez faire? Tu crois qu'une clinique isolée comme la mienne a les moyens de payer une rançon? Non. Et puisque vous êtes là, j'aimerais vous demander de retrouver mon patient. Et de le délivrer. Tu as des sens bien plus développés que les humains, toi. Surtout l'odorat. Avec un flair aussi remarquable que le tien, tu devrais trouver les malfaiteurs en un rien de temps. Oui, ce n'est pas faux. T'es facile à flatter. Procédons méthodiquement. Alors, la présence de témoins, la lettre de rançon... Le patient enlevé. La présence de témoins?
J'ai demandé aux alentours, mais apparemment personne n'a rien vu de suspect. Bah eux déjà ils sont suspects. À mon avis, les malfaiteurs aussi devaient porter des manteaux noirs. Un déguisement idéal pour passer inaperçu dans le coin. Cloud, laisse-moi flairer cette lettre, s'il te plaît. Vas-y, Red, on compte sur toi. Flair, flair. On dirait du parfum. C'est une odeur bien distincte. Oh, ça, c'est une bonne piste. D'ailleurs, j'y pense. Cette lampe fait briller la substance qui est dans leurs cellules. Ça pourrait vous aider à trouver des traces. Suivez Red. Red, attends-moi, j'arrive. Red, t'es où? Cloud, allons-y. Vas-y, je te suis. C'est bien. Suivre cette odeur. Sache que l'odorat de mon espèce est 7000 fois plus développé que celui des humains. Il y a non seulement le parfum, mais aussi les odeurs corporelles, ainsi que les vêtements, entre autres éléments d'analyse. C'est comme si l'ensemble était visible. Bien entendu, je dois isoler les odeurs parasites, afin de ne pas perdre la piste. Alors moi, je dégage quel genre d'odeur? Celle d'un jeune homme qui a découpé en rondelles de nombreuses créatures. Ça doit pas être une très bonne odeur. Ne t'inquiète pas, je suis le seul à la sentir. Ça va, c'est le seul à la sentir. 7000 fois, il a dit supérieur. Son flair. Celui d'un humain. Elle rigole pas. Ah, il flaire bien, Red. Du coup, ça va nous augmenter nos relations avec Red et c'est cool. Il y a un truc dans le sable. Hein. Alors, on va pas se... Waouh! Oh! C'est un ver! C'est un gros ver moche! Et vraiment gros. Mais c'est un ver. On va lui faire une petite analyse. Tu crois quoi, le ver géant, là? Il craint la glace. Oh, ok. C'est noté. On a des compétences de glace, c'est parfait. Voilà. Ah non, il retourne dans... Alors, c'est moi ou Cloud vient de se faire manger et Iris a dit c'est méchant ça. Iris, c'est un peu plus que méchant là, il vient de se faire bouffer. Iris, tu l'as mis à l'envers ton bouclier, c'est pas grave. J'espère qu'il fonctionne quand même. C'est méchant ça. Ouais, il vient de se faire manger, c'est méchant ça. Tiens, tu veux pas essayer de voler un petit peu? Mais ouais, c'est méchant ça, faut pas manger les gens. Tu peux me laisser Iris tranquille? C'est bon, il est en état de choc. Par contre, toi, c'est du feu que tu me fais. Tiens, tu me fais un tourbillon. Ça sera parfait. On a récupéré Cloud, ça bon? Ouais, on a récupéré Cloud, il est vivant. Tout va bien. Tout va bien, il est vivant. Pas de panique. Suivez Red. Ouais, je te suis, Red. On va juste... faire un petit soin sur un Iris qui a pris cher. Hein, voilà. Et on avance. Ce serait désertique dans le coin. Ça fait beaucoup de poussière. C'est bon, je suis là, Red, t'inquiète. Ah, tu t'arrêtes parce qu'il y a encore des trucs dans le sable. C'est quoi ces trucs qui se planquent dans le sable? C'est honteux. T'étais pas dans le sable, toi. Ouais, il va pas te rater. S'il se fait pas manger par un ver géant, il te ratera pas. Mais ça peut lui arriver un petit peu de se faire manger par des vers géants. Ce sont des choses qui arrivent. Youfi! Youfi, te fais pas taper dessus, voyons. Moi, j'ai confiance en toi. Au! Toi, en fait, t'as toujours pas de sort, Youfi. Faudrait que je te mette des sorts un jour, quand même. Je sais pas, quelque chose, n'importe quoi. J'ai soigné Iris alors que c'était Youfi que je voulais soigner. Je me suis totalement plantée. Voilà. Clairement.
On peut dire que c'est un fail. Oui. Pas de panique, tout va bien. C'est maîtrisé. C'est parfaitement maîtrisé, faut pas s'inquiéter. Voilà, il est mort, tout va bien. Ni vu ni connu. Oui, 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 Red, j'arrive. T'inquiète pas, je vais te suivre. Flair, vas-y. Je te suis. L'odeur des ravisseurs nous mène directement là-bas, mais c'est embêtant. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Allons jeter un coup d'œil. Il fait griller des trucs, c'est ça? Salut, vous cherchez quelque chose? Ce n'est pas lui. Il n'a pas du tout la même odeur. Qu'est-ce qui se passe? T'as une petite fringale? Non, Red! Désolé, mais t'en auras pas. Mais non, je plaisante. Tiens, je t'en donne un petit bout. Ouais, ouais. Fais gaffe, hein. On va reprendre la route, Red? Vous n'auriez pas vu un homme en manteau noir? Maintenant que vous le dites, j'en ai vu un passer par là. Il allait vers la mine un peu plus loin, sur un chariot à chocobo. Merci pour l'info. C'était bon, Red, c'était bon, t'as bien mangé. Voilà. Vous lui mettez un petit peu de l'odeur de nourriture et voilà. Vous que mon odorat a tout de même un petit point faible. C'est quoi? Mon appétit. Je suis encore attiré par le fumet de cette viande grillée qui flotte dans l'air. Ne compte plus trop sur mon flair pour le moment. Ça t'amuse, hein? Oui. Alors il suffit de griller un peu de viande pour te semer. C'est totalement ça. Chocobo! Cloud, regarde. Chocobo. Ils doivent être dans la mine. Tu devrais utiliser la lampe que Sharan t'a donnée. Alors, chercher des traces des manteaux noirs avec la lampe, docteur machin. Cloud sort la lampe automatiquement dans les endroits où elle peut être utilisée. Ok. Bah, s'il la sort automatiquement, alors tout va bien. Ah ouais, c'est des bonnes traces, hein, ça va, c'est visible. Ça fait très lampe à UV quand même. C'est vachement sombre! Celle-là un peu moins. Encore des trucs dans le sol. Bah si, il y a un problème. Il y a des poissons dans le sable. Qu'on peut pas taper. C'est un problème quand même. Hein. Ah bah, c'est lui qui va pas te rater, ouais. Oh, Yuffie, vas-y, tu l'as eu. Bravo. Yuffie. C'est la meilleure. Et Cloud, t'as pas du tout tapé le bon. Eh, oh, mais ils sont horribles. Ils sont horribles. Ils ressortent jamais du sable. Ah, Iris, elle en a eu un. Bravo. Je sais pas quoi leur faire comme ça. On va, à la limite, on peut soigner Cloud. Faire un petit soin sur Cloud, ça fera pas de mal. Ok, lui, il est mort. Il en reste un. C'est bon, il est plus dans son trou. Vas-y, Yuffie, défonce-le. Voilà. Ouh, regardez ça. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est un beau petit coffre violet. Ça, on apprécie, ça. Tu vois, Barrette, c'était pas nécessaire de partir directement pour le... C'est une arme pour Red. Partir directement pour le Gold Saucer, c'était pas nécessaire. On avait des petites choses à récupérer. Regarde, des médailles Mog et tout. C'est par là, normalement. Ouais, ouais, ouais. Et bonne trace violette, là. Ça, c'est visible, ça. Ça, on peut pas se perdre avec des traces comme ça. Hein. À compter qu'on trouve le monde noir, que fera-t-on des ravisseurs?
Sheeran nous a seulement demandé de libérer son patient et de le lui ramener. Il n'a rien dit de précis au sujet de ça. T'en penses quoi? Ça dépend de leur attitude. Entendu. Ça dépendra de leur attitude. S'ils sont agressifs, on les arrache. Sinon, on récupère juste le patient et on les laisse tranquilles. C'est un peu ça l'idée, je crois. C'est par là. Ok, déjà moi je récupère. Hein, le loot je prends. Et a priori c'est par là. Donc, on va par là. Iris, pourquoi tu pousses cette caisse comme ça? Super potion, je prends. Ça mène où ça? En vrai, ça va finir par me mener sur le bon chemin quand même, non? Ouais, mais on a un petit coffre sur la route. 2000 guilds, voilà, ça c'est bien parce que bon, les finances, c'est pas trop ça. Et ça c'est moche. Ah, il y en a deux en plus! Bah ouais, Cloud, je suis désolée, mais il y en a deux. Je sais même pas ce qu'ils craignent des trucs, faudrait peut-être analyser, hein. Aïe! Double aïe! La planète est avec toi. Tant mieux! Tu vas en avoir besoin! Avec maintenant un petit bouclier de lumière! Petit bouclier de lumière! Petite prière! Yuffie, pendant ce temps-là, tu peux taper quand même, hein. T'es pas dispensé de taper. Non, non. Ok, on a les deux qui sont en état de choc. Tu vas me refaire une prière histoire de monter tout le monde full vie. Et Cloud. Petit enchaînement rapide. Tu me les achèves. Et ce sera parfait. Ça level up. Tout le monde y level up. Moi j'apprécie quand tout le monde y level up. Je peux faire une petite compétence synchronisée. Allez, petite compétence synchronisée parce que c'est classe. C'était pas nécessaire, il est mort depuis 10 minutes, mais c'est pas grave. Ouais, parce que du coup, oui, c'était censé venir de là. On va aller vérifier quand même qu'il n'y a pas des trucs dans ce tunnel. Ouais, on aurait dû passer par là de base. On est passé par l'autre côté. Ok, c'était genre beaucoup plus rapide, mais ça même au même endroit. Et nous, on a eu un petit coffre bonus. Donc... Bah, j'ai envie de dire qu'on a bien fait. Petite potion, petite grenade. Ok, le bon chemin c'est par là. Et ça c'est de là où on est arrivé. Donc on peut suivre le bon chemin. Ok, il y a des traces de main. Toujours des traces de main. On est sur le bon chemin, on est sur le bon chemin. Suivons les lumières violettes. Oh non, il y a encore des trucs dans le sable. J'aime pas les poissons des sables. Je compte sur toi. Vas-y, défoncez-les! Iris les fait sortir et vous voulez arracher s'il vous plaît.
Oh, ça va, il y en avait qu'un. Petite échelle, je prends. C'est pas par là qu'il faut aller. Du coup, c'est par là qu'on va. Bah ouais. Et je crois pas qu'on puisse monter là, si. Ah si, bien sûr qu'on peut. Cloud est un professionnel, bien sûr qu'il peut monter. Non ! Le coffre, Cloud. S'il te plaît, le coffre. Ouvre le coffre. Méga potion x2. Ça se récupère, ça, Cloud. Ça ne se laisse pas, voyons. Ok, du coup, ici, on a fouillé. Ok. Grippe de mort. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que crains-tu? Tu crains rien du tout. Esquiver griffe de mortel les fera entrer en état de fragilité. Ouais, mais vous savez, moi l'esquive. Il y a les poissons. Les poissons! Ça risque d'être compliqué de choper les poissons. Un petit bouclier, ça fait jamais de mal. On va pas se mentir, un petit bouclier, ça ne fait jamais de mal. Le poisson! Tape-moi le poisson! Non, elle a pas encore assez de barrière d'appel. Il est mort le poisson? C'est moi qu'il est mort le poisson. Il y a un autre poisson, il y a plus, toujours plus de poissons. État de choc, invocation, c'est peut-être pas nécessaire. Il y a juste les poissons. Je t'ai eu, petit poisson! Je dirais bien petit poisson dans l'eau, mais là c'est plus petit poisson dans le sable. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Papam, pam, pam, papam. Bon, je sais pas trop si on oublie des trucs dans cette salle. C'est fermé? Évidemment que c'est fermé. Faut toujours que ce soit fermé. Du coup, on passe par là. Attendez, il y avait un truc pour soigner tout. J'ai même pas vu qu'il y avait un distributeur et un banc pour se soigner. Oh! Comment j'ai pu rater ça? C'est en haut. C'est pas le genre de truc qu'on rate, ça. Excusez-moi les filles, mais restez pas devant. Hein. Moi, je tape, hein. En fait, c'est peut-être pas pour maintenant. Si, là-haut. Non, on peut pas monter là. On peut pas monter, c'est pour descendre. C'est un passage fait pour descendre, ça. C'est pas pour monter. Je pense que c'est pour le retour. Se soigner après un éventuel boss. Ou demi-boss, sous-boss. Ensuite, se soigner, redescendre et rentrer à la maison. On fait pas de quartier. Je pense que c'est un petit peu ça l'idée. Dans le mille! T'en es sûr, hein? T'en es totalement sûr, hein? Ouais, encaisse donc ça, aïe! Faudra peut-être le soigner un petit peu, notre très cher Cloud. Ouais, faudra vraiment le soigner. Ça lui ferait pas de mal, hein. C'est là, bon, il est mort.
peut aller chercher ça, non? C'est autorisé de venir chercher ça? Oh, oh, la matière cachée! Bonjour, toi! J'aime les petites matérias comme ça. C'est un vrai plaisir de trouver des petites matérias. On va avoir besoin de Yuffie et de son grappin? Ou est-ce que Cloud est doué aussi au grappin? Cloud! Ibi? J'ai pas l'impression que je peux attraper celui d'en face. C'est où que je descends? Je crois que j'ai raté le coche pour descendre. On va y arriver. Ah si, du coup, faut bien attraper celui d'en face. Ah là, il y en a qu'un! Oui! On l'a eu! Professionnel. Ah bah voilà, on y est au bon! Non, 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 comment ils sont arrivés là, eux? Là, on se moque de moi, là, non? Iris, t'as vraiment fait le truc au grappin et tout? Tout le monde, il l'a fait? J'ai un peu des doutes, hein. C'est par là, le chemin? Non. Du coup, on va aller voir par là. D'abord, on va regarder un petit peu ce qu'on a à vendre. Méga potion fois une, je prends. Ouais, d'accord que normalement, ils sont passés par là, hein. Ouais. Du coup, nous passerons par là. Ah bah oui. Bon, ça va, le chemin n'était pas trop long. Avec un petit coffre. Ouais. Ah, je pense que ça va me permettre d'ouvrir la porte, non? Est-ce que ça me permettrait pas d'ouvrir la porte par le plus grand des hasards? Ouais. Et voilà, la porte est ouverte. Et on redescend. J'avais dit que c'était un truc pour descendre. Hein. Bon, je pensais que ce serait pour beaucoup plus tard, mais non. Ouais, ça sent le boss, non? Ouais, ça sent totalement le boss. Hein. C'est le repère des ravisseurs. Ils se sont absentés. On fait quoi? On attend? Au secours! On a besoin d'aide. Des types nous ont enlevés et emprisonnés. On va se méfier. Je suis pas confiance en elle. De qui est-ce que tu parles? De moi? Ou de ce gars? De toi. Cette odeur. Cloud, ce sont eux les ravisseurs. Merde. On est découvert. Il a réussi à percer notre déguisement. Il est malin, ce toutou. Eh, laisse le toutou tranquille, toi. Où est l'homme que vous avez enlevé? Comme si on allait te le dire. Tu nous as pris pour qui, Blanbec? On est le couple de brigands le plus redouté de la région. Ellie la Furie et... Barry le Barbare.
Ok, bah tapez. Hein. Vous nous rapporterez une jolie rançon si vous ne vous faites pas trop amocher. Oh, il se bat même pas. Il se barre. Oh, il se barre. Oh, les mecs ils fuient. Ça va, Yuffie ? Aïe. Waouh ! Non, attendez, mauvaise manip. Dis donc, Cloud. T'es prié de ne pas te faire tuer de façon si violente ? Ça va pas le faire, hein ? Aïe. Aïe. Ah non, Iris, faut pas que tu me fasses ça. Yuffie, tu peux utiliser une potion. Vas-y, méga potion sur Iris, ça fera très bien l'affaire. Aïe! T'es un peu une saleté, toi, quand même. Oh, mais il fait beaucoup trop mal. Mais il fait super méga mal. Non mais... Eh mais calme-toi. Hein. On peut peut-être en discuter, non? Qu'est-ce que t'en penses? Attends, tu sais ce qu'on va faire? On va faire un petit bouclier de lumière. Parce que je te sens un peu beaucoup trop violent. Mais genre, vraiment beaucoup trop violent, quoi. Ça se peut d'être aussi violent. Aïe. Yuffie, t'as pas le droit de mourir, s'il te plaît. Tu es prié de ne pas mourir. On a une compétence synchronisée, on y va. Moi, j'utilise tout. Voilà, toute compétence synchronisée est bonne à prendre. Pourquoi Iris, t'es en train de faire une compétence synchronisée et je te retrouve aux trois quarts morte? Est-ce que cela est-il normal? Ok, on a la transcendance d'Iris. La bestiole que je ne vois pas est en état de choc et nous avons la transcendance de Yuffie. Que l'on va clairement utiliser. Transcendance. Vas-y Yuffie! Montre-nous la puissance des Shinobi. Et ensuite, tu continueras par en tapant. Ne t'arrête donc pas en si bon chemin. Ne t'arrête donc pas en si bon chemin. Envoie-nous toute la puissance dont tu disposes. Dame Tifa, transcendance. Un petit vent guérisseur. Ouh, on peut faire une invocation. Phoenix, on a qui? Chocomog ou Shiva? Bah va pour Phoenix. Phoenix, je l'aime bien en vrai. Ouais, on peut invoquer, on invoque. Hein. On est comme ça, nous. En plus, regardez comme il est beau, le Phoenix. C'est trop facile! N'abusons rien quand même! Waouh, on voit juste des effets de lumière partout! On sait pas trop ce qui se passe, on voit des effets de lumière partout! Gain de niveau de matéria! Ah, vous avez pas fui? On est les seuls à savoir où on a caché cet homme en manteau noir. Si vous voulez le revoir, va falloir payer. Mais... Oh oh oh.
Il bronchait pas pourtant. Qu'est-ce qui lui prend? Attends un peu. Tu le connais? Dis donc, Barry, t'as vu les yeux de ce type? C'est un soldat. Alors c'est pour ça qu'il est aussi fort. Mais tu sais ce qu'on m'a dit? Apparemment, ces hommes en manteau noir seraient d'anciens soldats. Des soldats dont les cellules ont dégénéré, pas vrai? Amusez-vous bien, entre cobayes de laboratoire! Ciao, les nazes! Laisse-les, on a ce qu'on voulait. On aurait pu les taper, hein. Retournons voir Sharon. Beau travail. Je vous revaudrai ça. Il a quelques égratignures de plus, mais ça devrait aller. Est-ce vrai que les soldats subissent une dégénérescence? Ah, pour être tout à fait honnête, j'en sais rien. La plupart des infos sur les soldats sont classées secrètes. Et très peu de médecins ont l'occasion d'en examiner, en dehors de ceux qui travaillent pour la Shinra. Alors tu vois, c'est plutôt à moi de demander. Tu as des symptômes qui vont dans ce sens-là? Je vais bien. Les soldats sont nés d'une technologie relativement récente. La Shinra elle-même n'en connaît probablement pas les effets physiologiques à long terme. Alors, la moindre observation est précieuse. T'es sûr que... tu me donnerais pas un peu de ton sang? Hors de question. Ah, tu changeras peut-être d'avis un de ces jours. Peut-être bien. Et bien voilà, mission accomplie. Red, pourquoi tu me pousses? On vient de faire une mission tous les deux et tu me pousses. Ah, abuse pas. Voilà, ça nous renforce un petit peu nos relations avec Red. Et bien maintenant, on va pouvoir se diriger vers le Gold Saucer. Eh!